Isa en maternelle présente Le loup qui n'aimait pas Noël de Oriane Lallemand. Il était une fois un gros loup noir qui n'aimait pas Noël. Il s'appelait Loup. À Noël, il y avait trop de lumière, trop de chansons, trop de décorations. Vraiment, cette fête lui donnait mal à la tête. Et plus décembre approchait, plus Loup se renfrognait. Ce matin-là, quand Loup se réveilla, tout était blanc dans la forêt. Enchanté, il s'habilla chaudement et sortit se promener. Youhou, Loup ! Salut les amis ! Fit Loup en découvrant Maître Hibou et Valentin perchés tout en haut d'un sapin. Voulez-vous faire une bataille de boules de neige avec moi ? Désolé Loup, mais nous installons les guirlandes lumineuses pour Noël. Tu viens nous aider ? Certainement pas, répondit Loup. Je déteste Noël. Plus loin, Loup s'arrêta chez son ami Joshua. Ce dernier était dans son salon, en train de choisir des décorations. Salut Joshua, fit Loup. Tu as vu toute cette neige ? Veux-tu venir t'amuser avec moi ? Désolé Loup, mais aujourd'hui je décore mon sapin de Noël. Tu veux m'aider ? Certainement pas, répondit Loup, agacé. Je déteste Noël. Et il continua son chemin. Loup arriva chez son ami Gros Louis. Une délicieuse odeur s'échappait de la cuisine. Salut Gros Louis, tu viens faire un bonhomme de neige avec moi ? Désolé Loup, mais je n'ai pas le temps. Je prépare des sablés de Noël à la cannelle. Tu veux les goûter ? Pouah ! Certainement pas, répondit Loup. Je déteste la cannelle. Et d'abord, je déteste Noël. Un peu plus loin, Loup frappa chez son ami Alfred. Salut Alfred, tu veux faire une bataille de boules de neige ? Désolé Loup, répondit Alfred. J'écris ma lettre au Père Noël. Il faut que je la poste aujourd'hui. Et toi, tu as déjà envoyé la tienne ? Certainement pas, répondit Loup. Je déteste Noël. Et il ajouta en bougonnant. De toute façon, le Père Noël ne m'apporte jamais rien à moi. Loup alla ensuite chez Louve. Elle, au moins, aurait du temps pour lui. Après tout, c'était ça, Louve, sa chérie. Bonjour, Louve. Tu as vu comme la forêt est belle aujourd'hui ? As-tu envie de venir te promener avec moi ? J'aurais adoré, répondit Louve. Mais je dois préparer le dîner pour le réveillon de Noël, demain soir. D'ailleurs, tu es invité. Loup sentit la moutarde lui monter au nez. Noël, toujours Noël. Moi, je déteste Noël. Mais pourquoi détestes-tu Noël ? Demanda Louve, très étonnée. Noël, c'est des étoiles, se retrouver tous ensemble autour d'un sapin, partager un bon repas. Noël, c'est tellement bien. Pendant un moment, Loup ne dit rien. Puis, d'une petite voix, il grommela. Moi, je n'ai jamais fêté Noël. Louve en resta ébahi. Raison de plus pour que tu m'aides à préparer le repas, fit-elle enfin. À nous deux, ce sera beaucoup plus amusant. C'est ainsi que Loup passa l'après-midi avec Louve. Elle lui montra comment cuisiner la dinde de Noël et ils s'amusèrent beaucoup
a écrasé les marrons pour faire la farce. Pour le dessert, ils firent une énorme bûche au chocolat. Quand tout fut terminé, la nuit était tombée. J'ai passé un très bon après-midi, fit Lou en se léchant les babines. Maintenant, je suis le roi de la dinde farcie et de la bûche au chocolat. J'ai adoré préparer ce repas avec toi, répondit Louve. Merci pour ton aide, mon loup, et à demain. Arrivé devant chez lui, Loup poussa un « Oh !» émerveillé. Des guirlandes étaient accrochées sur le toit de sa maison. Elles scintillaient dans la nuit. C'était une féerie. « Merci, maître Hibou. Merci, Valentin. » murmura Loup. En souriant, il poussa la porte et... Quelle surprise ! Au milieu de son salon, il y avait un magnifique sapin avec un petit mot de Joshua. « J'ai décoré ce sapin pour toi. J'espère qu'il te plaira. » Sur la cheminée, des santons étaient posés et un petit mot de Louve disait « J'ai choisi ces santons pour toi. C'est Demoiselle Yeti qui les a installés. Bisous, ta Louve chérie. » Dans la cuisine, Lou trouva une boîte de biscuits et un mot de Gros Louis. « Ces biscuits de Noël sont pour toi, Lou. Rassure-toi, ils sont au chocolat. » Il y avait aussi des bougies par-ci, par-là, et un gros tas de bois tout juste rentré. « Si tu as besoin d'aide pour allumer ton feu, appelle-moi, aide-moi. PS, il te suffira d'une étincelle. » Le lendemain, Lou se prépara avec soin pour le réveillon de Noël. Il mit son plus joli costume, se versa quelques paillettes sur la tête, acheta des fleurs pour Lou et des petits paquets de chocolat pour chacun des invités. Quand Lou retrouva ses amis pour le réveillon de Noël, il leur dit « Merci les amis, grâce à vous pour la première fois, je passe un merveilleux Noël. Et maintenant, bon appétit !» Ce fut une soirée chaleureuse, délicieuse, et tout le monde eut beaucoup de mal à se quitter. « On se retrouve demain pour jouer dans la neige ?» demanda Lou avant de partir. « Oui, oui !» répondirent ses amis. Lou ne vit pas Gros Louis qui faisait un clin d'œil à Demoiselle Yeti, ni les autres qui riaient d'un air un peu bêta. Le jour de Noël, Lou se leva tôt. Quelle ne fut pas sa surprise en découvrant au pied de son sapin des cadeaux et ce petit mot. Cher Lou, désolé de t'avoir oublié si longtemps, mais grâce à tes amis qui m'ont écrit, cette année, j'ai pu te gâter, signé le Père Noël. Tout excité, Lou se précipita vers ses paquets. Il y avait beaucoup à déballer. Merci, Père Noël, murmura Lou, tout ému. Puis, il fila rejoindre ses amis qui l'attendaient pour la plus grande bataille de boules de neige de l'année. Mon histoire est terminée.